Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente des vidéos que je vous présente habituellement. J'avais d'abord une question à vous poser pour préparer une prochaine chronique. Je voulais aussi vous parler de mon livre « Va prendre l'air » et du Salon du livre de Montréal, mais je voulais d'abord vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence. Vous êtes plus de 400 000 personnes maintenant à me suivre sur ma chaîne. Ça me touche beaucoup. Merci pour vos commentaires encourageants, motivants, généreux, constructifs aussi, parce que vos commentaires m'aident à produire de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. Alors vraiment, 1000 merci, ou plutôt 400 000 merci. J'avais aussi une question, comme je vous le disais, à vous poser pour préparer une prochaine chronique. Cette question concerne la respiration. Je voulais connaître en fait ce qui gêne votre respiration, ce qui la rend plus complexe, peut-être même parfois plus pénible. Est-ce que c'est l'activité physique, d'arrimer votre rythme respiratoire à certaines activités physiques? Est-ce que c'est plutôt la douleur ou la fatigue ou d'autres éléments, peut-être aussi comme le stress? Et il y en a peut-être une longue liste aussi que je n'ai pas nommée, alors j'aimerais bien connaître ce qui perturbe, ce qui gêne votre respiration et si cette gêne survient de façon exceptionnelle ou sinon très fréquemment. N'hésitez pas à m'écrire vos réponses aussi élaborées soit-elle. J'adore vous lire et je vais lire toutes vos réponses, bien sûr. Maintenant, mon livre va prendre l'air. Vous connaissez l'importance que représente la respiration dans mon travail. J'ai tourné une capsule tout récemment pour le Salon du livre de Montréal qui vous parle de la respiration, mais qui vous parle aussi de mes inspirations, de mon processus d'écriture. Je ne vous en avais jamais parlé, alors je trouvais que c'était une belle occasion de vous présenter tout ça dans une capsule tournée pour le Salon du livre de Montréal et j'espère que ça vous plaira. Ce n'est pas un hasard si j'ai écrit mon livre pendant la pandémie de COVID-19 et quelque temps après l'insoutenable « I Can't Breathe » de George Floyd. La respiration est omniprésente dans l'actualité et le restera. Il faut mieux la comprendre et surtout ne plus la réduire à une simple fonction physiologique utilitaire. C'est un livre qui s'intitule « Va prendre l'air », donc le nom, le titre le dit. C'est un livre qui parle de la respiration, mais dans toutes ses déclinaisons, et je présente les côtés spectaculaires, les côtés étonnants de la respiration qui sont fort utiles pour prendre soin de sa qualité de vie, pour se sentir mieux, mais prendre soin aussi de sa santé physique, de sa santé mentale, de diminuer le stress, d'améliorer sa posture. Ce sont des thèmes qu'on utilise dans nos traitements, nous, en physiothérapie, et je me disais pourquoi ne pas donner ces trucs-là, ces conseils, ces exercices-là à la population dans un livre. Et c'est l'outil, je pense, parfait, un livre pour parler de tout ça et donner des conseils très concrets. J'ai eu envie d'écrire ce livre depuis longtemps, mais particulièrement depuis la pandémie. On n'a jamais autant parlé de la respiration et on prend souvent pour acquis cette respiration. Or, ce pilote automatique qui nous fait respirer 20 000 fois par jour, on doit aussi savoir le contrôler, le maîtriser pour se sentir mieux. Et ça, on a parfois tendance à l'oublier. Alors, la COVID, la pandémie, a été vraiment un élément déclencheur pour commencer l'écriture et la réflexion de ce livre-là. J'ai été vraiment inspiré dans l'écriture de mon livre par mes patients. Je suis physiothérapeute, je traite des patients qui me consultent pour des problèmes respiratoires, mais aussi, par exemple, pour des problèmes de dos, et la respiration devient un outil pour traiter la douleur au dos. Et donc, ces patients, les histoires de mes patients, évidemment, elles ont été adaptées, changées pour qu'on ne les reconnaisse pas. Mais ça a été une inspiration immense dans tous les sens du terme. Quand on parle d'inspiration dans un contexte de livre sur la respiration, on peut le prendre dans tous les sens du terme. Mais mes patients, leurs histoires, leur volonté d'améliorer leur qualité de vie, ça a été une immense inspiration dans l'écriture de ce livre. Une rencontre marquante qui a fait en sorte que je suis devenu auteur, parce que je n'ai jamais pensé devenir auteur, je suis physiothérapeute, c'est mon bref passage à l'école de théâtre. J'ai toujours voulu être comédien. Et au fond, j'ai toujours voulu communiquer aussi. C'était un des éléments que je n'avais peut-être pas nommé quand j'étais étudiant en théâtre il y a quelques années. Et ces rencontres-là que j'ai faites à l'école de théâtre m'ont été fort utiles dans l'écriture de mes livres, de tous mes livres, mes romans, mes guides pratiques, cet aspect créatif, d'aller chercher cette fibre à l'intérieur de nous qu'on a tous. Alors, ces multiples rencontres que j'ai faites à l'école de théâtre, au cégep Lionel-Groulx, ça a été fort utile dans mon parcours d'auteur.
Elle est singulièrement intime, mais aussi grandiose, parfois même mystique, et dans un autre ordre d'idées plus terre à terre, elle offre une aide étonnante pour se détendre, damer le pion au stress, mieux dormir et envoyer promener la douleur. We'll be right back.